Bonjour à tous. Toute cette semaine, nous ne serons plus en compagnie de Patrick Bosso comme la semaine dernière, mais en compagnie d'un auteur, compositeur, interprète, guitariste, plutôt jeune, 28 ans, qui s'appelle Gauvin Cerce. Gauvin Cerce, nous l'avons rencontré il y a quelques semaines à Nice, et si on vous en parle, c'est qu'il revient nous voir cette semaine à l'espace Julien de Marseille, le 5 avril. Gauvin Cerce, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un jeune homme qui a sorti son tout premier album, intitulé Pourvu en juin dernier, un album qui a rapidement été récompensé d'un disque de platine. Avant ça, son style, qui ressemble pas mal à celui de Renaud, eh bien, avait séduit cet artiste qui l'avait invité à assurer toutes les premières parties de sa tournée Phoenix Tour. Alors en effet, il lui ressemble, mais ce n'est pas du tout un copier-coller, loin de là. Gauvin Cerce a ce côté un petit peu titi parisien, mais l'écriture n'est pas la même. Il aime les mots, il aime raconter des histoires, et dans son album, il nous en raconte de toutes sortes. Il y a pas mal de nostalgie, énormément d'observations, mais aussi pas mal de touches d'humour. Son premier clip, Pourvu, a même été réalisé par un certain Jean-Pierre Jeunet, le cinéaste. Et puis, quant au contenu, eh bien, il nous parle autant des extrêmes, alors la montée du FN à Hénin-Beaumont, ou encore la vision d'une mère dont le fils est parti au djihad. Et puis, il peut également nous parler du poulet du dimanche que nous connaissons tous et qui nous laisse pas mal de souvenirs d'enfance. Je vous invite à le retrouver sur scène, donc le 5 avril à Marseille, à l'espace Julien. Salut à tous, c'est Gauvin Cerce, on est sur la séquence M. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Je commence à réaliser parce que voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, mais justement la tournée qu'on a faite à deux, c'était dans des plus petites salles, et c'est vrai que ça nous a permis de prendre conscience que toutes les salles étaient pleines un peu partout en France. On a fait une cinquantaine de dates comme ça, et déjà il y avait une ambiance assez dingue alors qu'on était que deux, et les gens connaissaient déjà très bien les chansons, l'album. Il y a des enfants qui chantaient par cœur toutes les chansons, donc c'est sûr que c'est hyper touchant. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, c'est pour partager des émotions pareilles. Là maintenant on se rend compte que tous les soirs les gens viennent pour mes chansons, et c'est vrai que je l'aurais pas imaginé quand je les ai écrites tout seul dans ma chambre avec ma petite guitare en me posant des questions sur choisir tel ou tel mot dans un texte, et puis telle ou telle mélodie. Et c'est vrai que ça... Ouais, c'est chouette de voir comment elles ont vécu les chansons, et comment elles vivent à travers les gens, la résonance qu'elles peuvent avoir. En plus, les générations sont hyper... Enfin, il y a un petit peu toutes les générations au concert, donc des fois, il y a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants et leurs enfants. Ça me touche beaucoup parce que je trouve ça vraiment chouette de pouvoir toucher tous les âges, quoi. Pourvu qu'elle ait la larme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin, comme il est touchant d'Aroussin. Chacun se l'approprie, et puis c'est vrai que quand j'ai écrit Pourvu, je pensais pas qu'elle allait avoir cette résonance là, et ça a été un peu ma chanson entre guillemets porte-bonheur. C'est Renaud qui a entendu celle-ci en premier. Après, on a fait le clip avec Jean-Pierre Jeunet. J'aurais jamais cru qu'un grand cinéaste comme ça pourrait faire le clip d'une de mes chansons. Et puis maintenant, d'entendre les gens chanter avec moi en concert, c'est vrai que c'est assez incroyable. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain, et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon.